Damien et Catalina, dans le cadre d'un stage niveau 1, on fait l'expérience d'une fleur. Et du coup, je trouve que c'était tellement pertinent que c'était intéressant aussi de vous l'enregistrer. Alors, on va partir sur la fleur olive, parce que c'était l'expérience de Alice. Voilà, on voit la fleur olive, qui est la fleur de l'olivier, hein. Et donc, je vais faire la lecture de mon carnet des 38 fleurs sur, puisque vous savez que là c'est page 104. Vous avez à chaque fois le texte que Bach a écrit. Alors, c'est une traduction et ce sont des textes libres de droit du Centre Bach, puisque je fais partie du Centre Bach en Angleterre, puisque je suis conseillère agréée du Centre Bach et formatrice aussi pour le Centre Bach, niveau 1, niveau 2 et en cours de validation niveau 3. Donc voilà, olive, ceux qui ont beaucoup souffert mentalement ou physiquement et sont si épuisés, et là qu'ils ont le sentiment de ne plus avoir la force, de faire un quelconque effort. La vie quotidienne est dure pour eux sans plaisir. Évidemment, on parle ici d'épuisement, hein, de fatigue physique ou mentale. Alors, je mets encore une fois un bémol, hein, parce qu'on ne parle pas de booster énergétique comme de la vitamine C ou des médicaments qui peuvent aussi nous donner cette énergie-là. On est sur de l'émotionnel. Donc évidemment, toujours vigilance et point de discernement sur son état physique. Si on a besoin d'aller vous consulter son médecin, il faut le faire, hein, encore une fois. Voilà, ça ne dispense pas et ça ne remplace pas une consultation médicale. Je le remets toujours dessous, mais je le dis encore dans la vidéo. Déjà, je ne veux pas passer pour une espèce d'illuminé qui va faire... O'Malley est d'accord avec moi, qui va faire n'importe quoi. Et après, c'est ce discernement. On peut aussi prendre le nécessaire si on est accompagné par un professionnel de santé. Et puis, accompagné avec les fleurs de Bach, hein, ce n'est pas du tout incompatible. Donc, l'expérience d'Alice, dans ce cadre donc, de ce cours niveau 1 en visio, donc là en ce moment on le fait, en tout cas avec mes cours c'est samedi dimanche, et puis on laisse passer une semaine, et après c'est samedi dimanche le matin de 9h à 13h les deux autres cours. Donc là, les étudiants ont une semaine pour tester une fleur. Quand on le fait en présentiel, ce qui est aussi mon cas, c'est un deux jours de formation. Et du coup, on arrive le samedi matin, on fait tout le déroulé de la formation, on apprend les 38 fleurs. Le soir, on fait l'expérience d'une fleur et le lendemain, on vient témoigner. Donc, les témoignages, j'en ai plein, comme tous les formateurs agréés du Centre Bach. On a des témoignages sur quelques heures, une poignée d'heures, entre le soir à la fin de la journée où la personne va préparer son petit flacon pour partir avec son expérience et revenir le lendemain matin. Vous voyez qu'entre 18h et 9h ou 10h du matin, c'est quand même une petite poignée d'heures. Là, ce témoignage-là est sur une semaine, mais dites-vous que ce n'est pas très important parce que les témoignages sont identiques sur même pas 24 heures ou sur une semaine. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'observation surtout. Alors, j'avais fait la semaine dernière, vous rappelez, de Pat. Alors, pour le coup, je n'ai pas changé son prénom, mais Patricia, c'est pas grave. Et là, j'avais envie de changer parce que je ne sais pas, préparatrice en pharmacie, ça doit me dire, bon, je ne veux pas non plus l'embêter si je cite son vrai prénom. C'est pas très grave. Et du coup, là, c'est juste un témoignage sur l'expérience qu'elle a fait avec la fleur olive. Hein. Mais elle, évidemment, comme je viens de vous lire le texte, elle a identifié en elle le besoin de prendre cette fleur-là en disant « c'est exactement celle qu'il me faut ». Et elle dit, en fait, ça fait à peu près 6 à 8 mois que je suis dans cet état, puisqu'elle est préparatrice en pharmacie, et je ne vais pas vous redonner le contexte dans lequel je fais cette vidéo. On est quand même au mois de février 2022, donc vous comprenez que 6 à 8 mois, ça correspond aussi à un état particulièrement critique au sein de son officine et dans le contexte dans lequel elle évolue aussi, et au niveau de la société, etc. Bref, donc elle dit que là, elle évalue sa fatigue à cette période. Et elle dit que bon, ben voilà, je suis vraiment épuisée, je suis au bout de mes forces. Voilà, c'est vraiment ces mots, hein, je suis au bout de mes forces. Et elle dit, j'ai prié, alors je me lis, hein, parce que je l'ai écrit, parce que sinon mes notes c'est un peu compliqué, des fois c'est fouillé, et du coup je veux pas, voilà, je veux pas que ce soit une contrainte pour vous aussi de me voir dire des trucs qui sont pas très clairs. Là, j'ai pris le temps de les écrire. Et donc elle dit, j'ai prié olive, et au bout de quelques jours, je peux considérer que j'accepte plus ma fatigue. Ce sont ces mots, hein, je fais que relire hein, mes notes. Je ne suis pas nerveuse avec mon fils quand il y a quelque chose qui traîne aussi. Ça, c'est
c'était selon elle la caractéristique du débordement émotionnel dans lequel elle pouvait se trouver consécutivement à ce qu'elle dit elle-même. Je ressens de la fatigue. Hein. C'est toujours, faut remettre toujours dans le contexte. Hein. C'est elle qui explique ça comme ça. Donc, il n'est pas écrit dans le bouquin de Bach que si le fils fait traîner les affaires, on va moins être nerveuse. Donc, vous voyez bien qu'entre un texte dit de Bach et la réalité potentielle de ce que Alice a expérimenté avec son fils dans son quotidien, entre le dimanche, enfin, elle a dû prendre les fleurs le lundi, jusqu'au samedi matin. Ça, c'est pas des choses qu'on va trouver dans les bouquins, vous voyez, c'est de l'expérience de Fleur de Bac. Et ça, c'est intéressant. Parce que sinon, si on disait dans un texte « tu ne seras plus énervé avec ton fils », tous ceux qui n'ont pas d'enfants vont vous dire « moi, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas prendre de fleurs olives parce que je ne vois pas le rapport en fait, puisque je n'ai pas de môme, donc je m'en fiche ». Donc vous voyez que des fois, il y a des allégations qui sont écrites sur des textes pour parler des fleurs qui ne veulent rien dire, parce que c'est l'expérience de la personne qui va signifier que pour elle, c'est pertinent de prendre cette fleur, parce que par voie de conséquence, deux points, ouvrez les guillemets à la ligne, je ne suis plus nerveuse avec mon fils. Et ça, moi, Alice, quand je dis ça, je sais de quoi je parle, j'étais au bout de mes forces, je suis moins nerveuse avec mon fils, donc je considère que déjà là, il y a quelque chose de potentiellement qui a bougé en moi dans la semaine. Et le fils, à mon avis, doit dire « Yalla, super, génial, maman est cool ». Bref, ça c'est moi qui interprète. Cette semaine, je n'ai pas été soupe au lait. Donc, ce sont ces mots. Vous voyez que ça c'est pareil, il n'y a pas la fleur de la fleur du moins soupe au lait, c'est quoi ? Ah oui, bien sûr, c'est olive. Non, ça ne se passe pas comme ça les fleurs de Bac. C'est moi, Alice, qui prend les fleurs de Bac et qui me dit « Ah tiens, j'ai constaté aussi que j'étais moins soupe au lait ». Parce que évidemment, dans un stage, on fait un témoignage commun et chacun va expliquer un peu comment il a expérimenté sa fleur. C'est ça qui est très enrichissant aussi de faire des stages. Alors bien sûr, j'écris des bouquins et tout mieux. Je veux dire, ça participe à l'éveil de la connaissance des fleurs, etc. Mais des fois, il faut aller plus loin parce que c'est l'expérience et du collaboratif aussi qui fait qu'on apprend plein de choses sur les fleurs de Bac. Et alors elle dit, pour ponctuer ces deux choses, parce que j'arrête pas de parler entre eux, mais je peux pas tout lire le texte et après discuter, il vaut mieux que je mette step by step, donc je reprends, c'est un peu redondant, mais comme ça, ça reclasse un peu les idées. Je suis préparatrice en pharmacie, ça fait 6 à 8 mois, parce que c'est moi qui lui pose la question, je dis, mais ça fait combien de temps, depuis combien de temps t'es fatiguée? Parce que c'est toujours facile de dire, je suis fatiguée, je suis au bout de mes forces. Ouais, mais si ça fait qu'une semaine, est-ce que c'est vraiment la fleur de Bac qui agit? Qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait, etc. C'est toujours important aussi de remettre dans le contexte. Bon, là, c'est pas ce qui s'est passé avec Alice, mais est-ce que ça fait longtemps que tu considères que toi, tu es fatiguée, etc., etc. Il y a toujours une forme aussi de contextualisation de la fatigue, parce que être fatiguée, c'est quoi pour toi être fatiguée? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas faire un entretien de fleur de Bac ici, mais bon, c'est un peu quand même notre métier de conseiller agréé du centre Bac, vous voyez. Quand on a fait les trois niveaux de stage et qu'on est... on a fait tout le truc entre 6 et 18 mois, on est capable quand même de parler de fatigue avec les fleurs de Bac et pas simplement dire olive, la fleur de ceci, etc. C'est pas la fleur de non-énervement et c'est pas la fleur non plus de soupe au lait, hein. Lol. Donc voilà, et du coup, mais elle dit bon, c'est pas pompe-pelop, hein. Et elle fait comme ça hein, à la caméra, puisque là évidemment on est en zoom. Je dis ok, c'est pas pompe-pelop. Mais c'est quand même assez significatif. Si t'es pas soupe au lait et que tu t'énerves pas sur ton fils, et puis elle dit aussi, je vous l'ai dit au début, je l'ai pas redit, mais je peux considérer que j'accepte plus ma fatigue. Est-ce que c'est un signe aussi intéressant? Peut-être que pour Alice, dans ce moment-là, le fait d'être épuisée depuis 6 à 8 mois dans le contexte dans lequel elle est là, dans le stage, elle se dit là, finalement, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et le fait de prendre conscience que là, parce que c'est pas parce que je fais un stage de fleur de Bac que d'un seul coup, je m'aperçois que je suis fatiguée. Si ça fait 6 à 8 mois que je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je veux dire, je le sais quand même dans quoi je vis. C'est pas les fleurs de Bac qui éveillent ma conscience. Par contre, le fait de se dire « je peux considérer que j'accepte plus ma fatigue », ça veut dire que là, Alice, dans ce contexte-là, elle se dit « bon, ben là, stop, faut que j'arrête, faut que je fasse quelque chose ». Et ça, c'est aussi des caractéristiques très singulières des fleurs de Bac. C'est-à-dire, quand on parle de subtilité, c'est aussi cette façon de se dire « qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que je continue là-dedans? Est-ce que je me fais soutenir? Est-ce que... stop, faut que j'arrête là. Donc, je vais faire une expérience ». Et après, je lui dis, bon, ok, c'est pas pompe-pelope, pas de souci. Et je lui ai demandé, donc, si elle avait constaté que des personnes de son entourage avaient vu des améliorations, est-ce qu'il y avait des changements en elle, est-ce qu'il y avait eu quelque chose de différent.
Parce que des fois, c'est aussi intéressant de savoir est-ce que les personnes qui m'entourent ont des choses à dire sur ça. On n'est pas rentré dans le détail parce que quand on fait un stage, on ne passe pas une heure de témoignage sur chacune des fleurs. Vous voyez, on est très très laconique. On balance son témoignage, puis on passe à l'autre étudiante, hein, parce que sinon on y passerait la journée et c'est court un stage, donc voilà. Peut-être que son fils aurait eu des choses à redire aussi. Vous voyez, si je questionne Alice, et alors comment c'était pour lui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah bah tiens, c'est vrai qu'il m'a dit ça. Vous voyez, il y a plein de choses que je n'ai pas en détail, mais je vous dis quand même ce que j'ai. J'ai suffisamment de matière pour vous faire une vidéo par rapport à ça et partager avec vous les joies aussi des fleurs de Bac. Et la subtilité du comment ça se passe en moi. En tout cas pour Alice. Hein. Et donc elle me répond à la question de est-ce que dans ton entourage, et elle dit... parce que si je pose la question, c'est des fois il faut aussi prendre du recul, parce que moi j'observe que je suis moins souple, je suis moins nerveuse, ok, mais est-ce que c'est vraiment les fleurs de Bac, est-ce que... Voilà. Donc c'est bien de demander aux autres aussi, ou des fois d'observer, ou de se dire, ah tiens, est-ce qu'on m'a dit, ah oui, tiens, c'est vrai. Et là elle me dit, mes collègues m'ont dit que j'étais plus constante. C'est pareil, c'est pas écrit dans le texte de Bac, ça, hein. C'est pas la ressource de la fleur de Bac, Olive, ah bah tiens, vous serez plus constant, moins nerveux et moins pompélope. Non, c'est pas ça non plus. Qu'est-ce que ça veut dire être plus constante? Ben, elle me dit, en fait, je suis plus stable en fait, dans mes émotions aussi. Parce qu'elle me dit, quand je suis fatiguée, il y a des moments où elle me dit, je vais derrière, j'en peux plus avec certains patients au comptoir. Parce que quand on est épuisé, quand on est fatigué, on part au quart de tour, on est nerveux, on supporte plus rien parce qu'on est tellement fatigué que le moindre patient qui nous escagasse ou qui nous remet en question ou qui ceci ou qui n'est pas content, ben, j'imagine, là, je me fais tout un film autour d'Alice, mais je sais ce que c'est qu'une pharmacie, vous avez tous vu, avec des queues de je ne sais pas combien d'heures, avec peut-être aussi des prises en charge un peu particulières dans ces temps un peu complexes, sans citer quoi que ce soit, vous comprenez ce que je vais dire à demi-mot. Ben oui, effectivement, ça tire sur la corde de la fatigue. Comme elle dit, je suis à bout de mes forces. Donc ben forcément, le regard extérieur des collègues, c'était intéressant d'avoir aussi ce témoignage. Et puis du coup, et elle dit ce qui m'a permis aussi de constater cette semaine, c'est toujours pareil, hein, elle ne le dit pas comme ça, elle dit, il y a des choses qui reviennent à son esprit, parce que des fois, quand on témoigne, on n'a pas tout en tête, et c'est parce que l'autre nous pose une question qu'on se dit, ah oui, il y avait ça aussi. Et elle dit, du coup, j'ai rangé mon bureau, et ça faisait des mois que c'était le bazar. Et là, du coup, elle a dit, cette semaine, j'ai pris le temps de ranger mon bureau. Et pour elle, c'était vraiment hyper significatif, parce que toujours pareil, je lui pose la question, alors, ça fait combien de temps que ton bureau est en désordre? Parce que si ça fait qu'une semaine, il n'y a pas de quoi s'énerver non plus. Et elle me dit, mais ça fait des mois, et j'avais pas l'énergie pour le faire. Et là, ça lui a rien coûté, elle a rangé son bureau. Donc vous voyez que Olive, pour elle, ça a été vraiment incroyable. Et ça ne m'a pas demandé d'efforts particuliers. Ah aussi, je dors mieux et je me souviens de mes rêves. Bon, on n'a pas trop insisté, mais pour elle, si elle le dit... c'est que certainement c'était significatif et que c'était important pour elle. Parce que d'habitude, elle ne se souvenait plus de ses rêves, tellement elle était fatiguée le matin. Et puis du coup, on discute l'air de rien autour de son témoignage, et elle ajoute, comme si de rien n'était. Hein. Parce que entre temps, il y en a d'autres qui ont raconté des choses et tout, et puis elle revient sur son témoignage avec sa fleur olive, et elle dit, ah oui, au fait, j'ai été 3 fois à la salle de gym cette semaine. Parce qu'il y en a une qui parlait aussi du yoga, et qu'elle s'était remise à faire ses cours de yoga. Et je lui dis, ça fait combien de temps que tu n'étais pas allée? Ah, elle me dit, voilà, ça fait des mois. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé d'Olive. De quoi a-t-on parlé? Et est-ce que je relis le texte de Bac? Non, c'est pas la peine. Donc la ressource, vous avez vu ce qui se passe pour Alice. Il faut toujours recadrer le sujet. Et c'est pareil, c'est un exploit. 3 fois par semaine, elle va au cours de gym, elle range son bureau, elle est moins soupolée, elle est moins nerveuse, elle est plus constante. Elle a la capacité de ranger son bureau et que ça lui coûte aucun effort particulier. Et moi, de lui exclaffer, je lui dis, ah oui, effectivement, c'est pas pompélope hein, cette semaine. Et là, elle était morte de rire. Ça dépend, c'est quoi ton degré de pompélope? Parce que là, pour moi, pompélope, je vais pas vous refaire la liste, mais c'est quand même juste incroyable, non? Donc maintenant, je vous laisse avec ça, vous faites votre expérience avec Olive, faites expérience avec les fleurs de Bac. Je suis pas en train de dire que, je suis en train de juste relire les mots qui ont été écrits. Je ne vais pas vous mettre les coordonnées d'Alice qui ne s'appelle pas Alice. Ça n'a aucun intérêt. Je ne vois pas l'intérêt pour moi non plus de raconter des bêtises ou des craques au sujet d'une fleur. Ce n'est pas mon intérêt. Vous voyez, j'ai rappelé la semaine dernière, j'avais parlé de la fleur verveine. Je ne suis pas en train de vous convaincre. Je suis en train de vous dire que quand je relis les mots de la personne, Alice, qui dit « Ouais, j'étais moins nerveuse,
Voilà, j'accepte plus ma fatigue, c'est pas pomper l'op non plus. Ben, trois fois par semaine à la salle de gym, faut quand même avoir un sacré tonus pour pouvoir maintenir le truc. Alors que ça fait 6 à 8 mois que je considère que je suis, je relis ces mots, hein, je suis au bout de mes forces. Voilà, c'est tout. C'était un témoignage sur Olive et comment on peut percevoir et s'apercevoir qu'une fleur a de l'effet sur soi. Et sous quelle forme? Et encore une fois, si vous prenez Olive demain, vous n'allez pas non plus être pas nerveuse, constant et tous les mots que j'ai employés. Juste prenez des notes, regardez ce qui se passe, observez et vous allez voir les effets avant et les effets après et ce que vous pouvez noter de significatif sur l'expérience avec cette fleur, que ce soit Olive ou une autre. Je vous dis une bonne semaine. Ah, je le dis jamais, mais il faut que j'y pense. PDF gratuit. Vous pouvez aller, c'est en lien sous cette vidéo. J'ai fait un PDF de 24 pages, je crois. Je ne sais plus, je crois que c'est ça. Où vous avez plein de petites informations pour vous aider à démarrer avec les fleurs de Bac. Alors, j'ai appelé les 10 incontournables pour bien démarrer avec les fleurs de Bac. Faites-moi des commentaires. Moi, j'ai reçu déjà des mails super sympas en me disant, bah voilà, c'était vachement bien, je passe un coup fin. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne, évidemment. Toujours les mêmes blabla à la fin. C'est un peu pénible, mais bon. Si vous activez la petite cloche, bah, vous serez tenu au courant tous les dimanches à 10h du matin. Autant que faire se peut. Et puis voilà, des témoignages, c'est vraiment cool aussi. Parce que des fois, ça me donne aussi des thématiques et d'avoir envie de raconter des choses auxquelles j'ai pas toujours la velléité de vouloir de faire des vidéos, du contenu par rapport à ça. Et tout ça vote pompe-l'op. Hein. Moi, je sais que cette semaine, j'en ai pris aussi parce que c'était plus que nécessaire. Moi, par exemple, quand j'en prends, je ne suis plus forcément non plus à m'écrouler entre midi et deux et à aller faire une sieste si nécessaire, par exemple. Vous voyez, donc pompe-l'op de mon côté. Bonne semaine. Au revoir.